Quand j'ai commencé, on dirait que les gens avaient des problèmes à cause de leurs parents. Mais si vous voulez ruiner quelqu'un, alors envoyez-les au lycée. Oh, vous avez dû passer plus de temps à discuter qu'à étudier à l'école. Fana des groupes d'études, non? Oh, changeons de sujet. Je vais vous donner quelques mots. Acquiescez s'ils correspondent à ce que vous étiez alors. Sinon, secouez la tête. On y va? Fan de sport. Suivant. Pute. Ah, ça m'étonne, ça m'étonne. Alcoolique. Ah, vierge. Ah, brute. Brute. Oh, et cancre. Cancre. Ouais. Eh bien, vous êtes un sacré loser. Bon, tentons autre chose. C'est un peu pitoyable comme résultat. Sur la table, j'ai posé un calendrier avec des cartes et des noms de cours. Choisissez des cours pour établir votre journée d'école idéale. Laissez aucune case vide, hein. Moi j'ai pas que ça à foutre. J'aimerais des exercices corrects parce que je suis pas payé à rien faire. Enfin si, justement, je suis payé à rien faire. En fait, c'est vous qui faites tout. Je suis un peu embrouillé dans ma tête, excusez-moi. Géographie. C'est bon? Bien, bien, bien. Si ça avait été si simple, ça aurait été le paradis, non? Eh, hey, regarde pas mes bouteilles. Je t'ai pas autorisé. Allez, parlons un peu des mauvais souvenirs d'école. Oh, nouveau repère, gymnase Il Midwich. fait jour! Ça fait déjà la nuit que je suis ici. Je vais aller voir si Chérie n'est pas à l'école parce qu'elle a toujours été bonne à l'école, alors peut-être qu'elle a envie d'y retourner. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Info sur les coucous, les coucous triomphent. Ah, bravo, je suis fier des coucous. Mais n'empêche que je trouve plus ma fille. Ah oui, téléportation! Oh, dommage. Message. Encore? Hey, prêt pour l'école? Regarde-moi quand je te parle! Hey, la petite princesse de papa, hein? T'es trop mignonne avec tes nattes! Oui. Tu vas distraire tous les garçons de la classe, dont moi, c'est bon, tu peux y aller. À ce soir! Ouais. Oh, mais qui sont ces gens qui m'appellent tout le temps pour rien? Oh, mais y a des clous sur la fenêtre, bien sûr, hein, c'est normal. Et moi, je les enlève comme des. Comme un. Avec comme un. Voilà, je les enlève. Je peux ouvrir la porte maintenant. Ah, voilà. Hop, allez, on rentre. Oh, c'est une belle salle de sport. Oh, c'est tout vert, magnifique. Pourquoi il fait toujours noir dans les trucs ici? Ils connaissent pas la lumière! Ah, oh, merde! Oh, Protection divine, alléluia! Ah oui, bravo, comme ça je serai protégé quand je vois des méchants. Oh bah téléportation, et puis hop, hein, ça fait chier. Oh, j'arrive. Oh, bravo, allez, vieux! Oui, il faut que je rentre quand même. Il y a. Mais il. C'est marrant, tout est en place, mais il n'y a pas de lumière. Mais qu'est-ce que c'est que ce bazar? Oh putain! J'étais peut-être pas traité comme tu le méritais. Oh yeah! C'est pas possible. Je ne t'ai peut-être pas aimé autant que je le devais, ces petites choses. Bravo, 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 désolé de vous interrompre, hein, j'en ai rien à foutre de votre chanson, je cherche ma fille. Oh, vous n'êtes pas là pour la réunion d'Insane Ah Live? non, je suis là pour ma fille. Oh, tu parles d'une réunion, moi et un type qui ne devrait pas être là. Oh! Hey, aidez-moi! Oh, attention, ma petite dame, Merci, hein. bah, je vais vous poser par terre, Je hein. pèse mon poids, Michel Valdereuse. Harry Mason. Enchanté, Harry. Qu'est-ce qui vous amène? Ma fille. Je cherche ma fille a disparu. Je pensais que. Oh, elle pourrait être ici. Hey, vous avez l'air déconcentré un peu. C'est une élève de Midwich? Non, elle a 7 ans. Elle est trop jeune. Elle s'appelle Cheryl. Cheryl Mason. Bah non, c'est ma fille, mais elle s'appelle pas J'ai Cheryl connu une Mason. Cheryl Mason. Elle était dans la classe d'au-dessus de moi.
Même non, c'est pas elle, la mienne a 7 ans. Je vais vous montrer. Regardez. Mais non, mais elle a 7 ans, bordel, hein. Mais écoutez-moi. Mais je vous dis qu'elle est trop jeune. Oh, regardez. Vos. C'est une vieille photo. Vous dites qu'elle s'est enfuie. Non. Ça peut pas être ma fille. Combien peut-il y avoir de chéri d'Amazon dans une petite ville comme ça? Sauf que c'est moi qui le disais, elle vous ressemble un peu. Mais c'est vrai, mais ce n'est pas une petite fille, c'est une fille vous moyenne. Vous avez l'air de l'hésiter, vous avez pris de l'ecstasy. Mais non, mais je vous dis qu'elle est trop jeune, hein. Téléportation. Hey. Le bureau du proviseur. Yeah, yes. Il est fermé à clé, bête. Hop, avec un peu de coude, de persuasion et de jambes. Vous forcez la porte du proviseur, c'est pas bien, hein. Je ne parle, vois pas de surveillant, voyons. Ah bah non, on les a tués dans le 1. Bonsoir, madame Herberbridge Wolf. Elle est encore là? Oh, elle était quand j'ai eu mon diplôme. Je crois qu'il faudrait lui m'enfoncer un pied dans le cœur pour la faire disparaître. Oh la merde. Hey, c'est ici. Mm-hmm. C'est le PC du proviseur. Il contient les données de ses élèves. C'est un piraté avec les PCs pour changer leurs notes. Moi j'étais une élève plutôt douée avec les PCs. Oui, c'est ça, ouais. Et le proviseur Fisher change constamment de mots de passe. Pourquoi on pirate son PC, hein? Pour retrouver le dossier de Sharon Mason, pour savoir si c'était votre fille et si je vois si j'ai raison. Dans le cas contraire, on peut partir, hein. Yeah, prenez votre temps, je vois un message à mon copain pour voir où il est. Ah oui, oh, vous aussi vous avez un iPhone. Allez, alors, mot de passe, bah bravo. Marche pas. Ou une bibliothèque, peut-être que son... Twilight. Ah oui, Twilight. Son mot de passe est Twilight, oh le PD. Alors, utilisez, meilleure comédie de Shakespeare, Twilight. Avec des vampires et des loups-garous qui font la bagarre. Et une fille qui tombe amoureuse des loups-garous et des vampires. Et voilà. Mon horoscope. Scorpion. Ah, comme moi. Ah bah oui, c'est moi, je suis con. 3 ans perdu. Titulaire d'une licence. Ah, j'ai fait une licence. Une licence de gardien de nuit. Ah non, de géologie. Ah oui, j'aime bien la géologie aussi, c'est pas mal. Mot de passe, Sunday, Bloody Sunday. Sunday, Bloody Sunday! Ah non, élève, oui, c'est les élèves que je veux. C'est bon, Gogol? Oh, merde, oh, mais c'est pas moi. Il y a vraiment que toi pour pouvoir faire c'est ça. C'est pas moi, hein, c'est j'ai rien fait, c'est elle. C'est elle, Heather. Et on a déménagé. Vous avez oublié à cause de l'accident. Non, sur Main Street, c'est pas un super quartier. Pourquoi on allait vivre là-bas? Mais c'est pas... Oh mm. Le flic avait raison, mon permis est périmé, ce n'est pas chez moi. Qu'est-ce que j'ai oublié d'autre? Peut-être que j'ai pas de lunettes. Oh, il y a un numéro de téléphone ici, appelez-le. Oui, d'accord, je vais l'appeler. Alors... ça ne capte pas, je vais sortir d'ici. Oh, bonne chance. Merci. Alors, Oui? Cheryl? Non, Dahlia, vous voulez que j'aille la chercher? Qui a l'appareil? Mais c'est son père, Harry Mason, elle va bien? Harry? Elle va bien? Pour qui vous prenez-vous? Mais est-ce qu'elle va bien? Pardon. Putain, laissez-moi tranquille. Pardon. Oh, merde, ça fait le froid. Oh, c'est la merde.